Salut. Salut. Excuse-moi, salut. Salut, t'es nouvelle, non? C'est la première fois que je te vois sur la piste. Oui, c'est la première fois que je suis sur la piste. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'être déjà venue ici. Sur la piste? Oui. Tu vas bien? Oui, fais pas attention, je pensais à un rêve que j'ai fait. Désolée. Je peux patiner? Ouais, bien sûr. Mais pour ça, il te faut un laissez-passer. T'en as un? Non, j'ai pas de laissez-passer. C'est ton jour de chance, regarde tout ce que j'ai là. Pour ta première journée au Jam and Roller, je t'en offre un. C'est trop gentil, je te remercie. De rien. Oh, et j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Luna. Moi, c'est Nico. Content de te connaître. Je fais partie du staff et je m'occupe de la piste. Alors, si tu as besoin, je suis à ton service. Merci. Amuse-toi bien. Ici. Moi? Ici, c'est ma piste, la livreuse. Alors comme ça, tu me suis? Ouais, en fait, je suis venue du Mexique en patin juste pour voir si j'allais rencontrer le melon. Tu sais, je trouve ça incroyable. Notre destin, c'est de se percuter. Non, je t'ai pas percuté, tu m'es rentrée dedans. Oh, attention! Je vais encore devoir te sauver. Dis plutôt que tu veux me faire tomber par terre. Bon, allez, salut. Hey. Que fait cette livreuse au Jam and Roller? T'es en vacances ou quoi? J'en sais rien, demande à ta petite amie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle doit me dire, Ambre? Très bien. Sa marraine a embauché mes parents pour qu'ils travaillent dans sa résidence à Buenos Aires. Et comme j'ai de la chance, je dois aller dans la même école qu'elle. Oh! Alors j'ai une surprise pour toi. On va aller dans la même école, au Blake's House College. C'est une super nouvelle. Mais heureusement pour moi, j'ai un an de moins que c'est vous deux. C'est pas grave, on se verra quand même tous les jours à l'école. Oui, toi et plein de copains que je connais pas encore. Quelle importance si tu es avec le roi de la piste. Alors, pourquoi on porte un toast? Parce que cette fillette ne restera pas dans ma vie aussi longtemps que je le pensais. Cette chère Luna retourne dans sa belle ville de Cancun dans moins d'un mois. T'es sérieuse? Je pensais qu'elle resterait plus longtemps, moi. C'est une métaphore, une façon de parler. Tu saisis? Ah. Comment peux-tu en être aussi sûre? Parce que je vais lui rendre la vie très difficile. Je veux dire, on va toutes les trois lui rendre la vie difficile. Parce que vous allez m'aider. Non? Évidemment. Tchin-tchin. Retrouve Soy Luna sur Disney Channel. Appuie sur i pour plus de Disney Channel et abonne-toi pour ne manquer aucune de nos vidéos.